Mais gars, démarre un peu la coupe. Et là, sur devant, si ça c'est pas vrai, je sais pas qui est. Bienvenue à tous les adaptions dans une nouvelle vidéo théorie. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. J'ai eu 500 abonnés avant, enfin, j'ai eu un top, voilà. Et dans cette nouvelle vidéo théorie, on va savoir qui sera le Ballon d'Or 2024. Donc, let's go! Alors, déjà dans la liste, on a Talonou, Carvajal, Diaz et Dojbic. Et si on a Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez et Kylian Mbappé. On a aussi Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka ainsi que Lamine Yamal, ainsi que Jude Bellingham. Maintenant, concernant le top 10, j'ai 10 propositions que j'ai retenues. Déjà, il y a Bellingham, Haaland, Harry Kane, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Vitinha, Lamine Yamal, Rodri, ainsi que Lionel Messi, parce que je me dis, t'as vu Lionel Messi, connaissant l'UEFA, c'est sûr, ils vont le remettre, parce que c'est... Voilà. Peut-être, je vois. Bon, allez, on passe au chapitre 3. Là, je pense qu'en quatrième, on aura Kylian Mbappé, en troisième, Lamine Yamal, en deuxième, Bellingham, et en premier, Vinicius Junior. Et le vainqueur du Ballon d'Or sera Vinicius Junior! On passe à l'autre de cette théorie, alias vidéo! Bon, et bah, du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette nouvelle vidéo. Selon vous, écrivez-moi en commentaire d'ailleurs qui sera le Ballon d'Or 2024. Est-ce que vous pensez de ma coupe de cheveux? Et bonne, extrêmement bonne transition. Ouais, je payais, c'est pas mal. Dites-moi si vous en n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. D'ailleurs, go les 500 abonnés avant fin 2022, voire début 2025, les gars. S'il vous plaît. Allez. Ciao les amis.